c'est avec une immense fierté que la communauté marocaine de Côte d'Ivoire, à l'instar des autres du monde entier, a commémoré ce 30 juillet 2024, le 25e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI. C'était à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette soirée a été vraiment magnifique car pour nous, Marocains résidant à l'étranger, savoir de loin ce que le roi Mohamed VI fait pour sa communauté, fait pour le pays et pour le monde entier, est vraiment nous touche énormément au cœur. Ça a été une fête magnifique. Car c'était l'occasion pour nous de célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique. Moi, je me suis vraiment régalée déjà. Les mets, ils étaient délicieux. Voilà, je me suis vraiment sentie comme au Maroc. Hein. J'ai l'habitude de partir au Maroc. Et je veux dire que, comme vous l'avez si bien dit, c'est un pays frère. La fête des trônes, pour moi, c'est un fait très symbolique pour moi. Parce que j'ai vécu ce changement, et l'arrivée du roi du Maroc. Et à ce moment, le pays avait besoin de la modernité. Il a modernisé le pays. De 99 et de nos jours, tous ceux qui ont vécu ces moments peuvent témoigner l'évolution et la modernité dans tous les sens du Maroc. C'est quelque chose d'incroyable. Cette célébration a marqué l'occasion pour les autorités marocaines et ivoiriennes de rappeler les liens forts et historiques existentiels entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il y a aussi toutes les relations diplomatiques qui ont été favorisées par notre cher roi, Sa Majesté, et Alassane Ouattara qui a aussi donc une relation de longue durée avec donc le père aussi, le défunt père Hassan Thani, Hassan II. Donc voilà, en tout cas on espère que cette collaboration va continuer, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau commercial, administratif, diplomatique, tout ce qu'on veut. Célébrer le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi est un grand jour, car il reflète encore une fois l'attachement fondamental que tous les Marocains ont envers l'institution monarchique et Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste en particulier. Pourquoi ? Parce que 25 ans de travail, 25 ans de réalisation, 25 ans de réussite ont permis au Maroc de changer de niveau. Nous étions à 40 milliards de dollars de PIB, nous sommes arrivés à plus de 140 aujourd'hui. C'est un bond significatif, sans parler bien sûr de la qualité de vie et du développement général du Maroc, que ce soit au niveau économique, social, diplomatique, qui ont permis d'asseoir la position du Maroc à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, on s'en félicite. Vive le Maroc!